Salut à tous, je vous retrouve pour un haul action. J'y suis allée là il y a une heure. Je savais pas si je devais vous faire une face cam ou si je devais l'intégrer dans mon vlog de demain. Vu que j'ai quand même pas mal de petites choses, je me suis dit allez. J'ai trouvé pas mal de choses pour la maison. Putain, je sais déjà plus. Bon bref, il y a de l'accessoire, il y a un peu de tout. On va commencer maintenant. J'ai pas mis la ring ou alors des éclairages vu que j'ai mes lunettes. Sinon ça va être chiant, vous allez voir un reflet. Là il y en a peut-être déjà un, mais je pense que ça va être un peu moins. Rien à voir, mais ce papier peint, si vous me suivez, vous savez, je vais le changer. Seulement il faut que je trouve le modèle que je veux, parce que j'ai un modèle bien précis dans ma tête. J'en ai eu pour 23,36€ et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 articles. Je commence avec un article qui d'ailleurs ne va pas être pour moi. C'est une petite boîte de rangement, peut-être pour des bijoux. En fait, tout simplement pour vous expliquer la petite histoire, ma sœur qui vit à Bali, donc a flashé, elle a dû voir sur le site Action, sur cette petite boîte. Donc forcément à Bali, je ne pense pas qu'il y ait d'Action, je ne pense même pas qu'il y en aura un jour. Et elle m'a dit, écoute, si tu vas à Action, tu me dis de comment elle est, la qualité et tout. Donc je ne lui ai même pas demandé, je lui ai pris. Elle est toute mignonne. Julie, hop, si tu vois cette vidéo, cette boîte est pour toi. Elle est quand même très mignonne, donc elle est métallique. Elle a un côté oriental, hein, de par le graphique. Il y a au fond un miroir. Je fais attention parce que j'ai toujours peur que ça se décolle. Et ici, il y a le petit lien métallique pour limiter en fait l'ouverture. Elle est plutôt très 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 jolie, hein, je trouve. Pas que je me trompe. C'est ça, boîte rangement miroir, elle est à 2,72€ et les dimensions, si ça vous intéresse, 16 par 11 et 7 cm. Je vais enchaîner avec la deuxième qui, celle-ci, va être pour moi. J'ai hésité, il y avait exactement la même, mais au lieu que ce soit doré, c'était tout noir et la pampille était dorée. Voilà, donc tout était inversé. Et comme j'ai pas mal d'éléments dorés, je me suis dit, on l'entend quand il rentre du boulot, il est midi. Voilà, donc là, pareil, côté miroir, on a des compartiments, il y en a donc 5. Je pense que c'est du plastique ou du verre, je ne sais pas trop. Elle est vraiment jolie. Voilà, elle est à 4,95€ celle-ci, et elle fait 18 par 12,5 sur 6,5, or et noir. La dernière fois, j'ai déjà acheté leur petite poubelle. J'avais besoin pour la salle de bain cette fois-ci. Dans la pièce qui est juste ici, là où il y a ma coiffeuse dans mon bureau, j'ai également une poubelle, le couvercle a sauté. J'ai essayé de le réparer, c'est même pas la peine. Et je suis tombée sur cette poubelle pour vous dire, à la caisse, il y a une dame qui me dit « Oh mais elle est trop jolie, je l'aime bien !» Et elle voulait se la prendre. J'en ai pris le dernier modèle. Elle est donc en bois bambou. Et là, c'est pas blanc, c'est beige. Et c'est vraiment ce qui fait tout le charme de cette petite poubelle. Donc elle fait 16,9 sur 24 cm. On a également là le pied qui est en bois. Hop ! Et en plus elle fonctionne, c'est formidable. La poubelle à pédale avec bambou fait 6,99€. On continue. Alors, je voulais pour ma nouvelle voiture un petit chiffon microfibre pour venir, vous voyez, la poussière, nettoyer un petit peu l'écran. J'ai trouvé donc celle-ci, rose, je ne sais pas ce que c'est, la peau de chamois peut-être, microfibre. Bon, c'est toujours très pratique, j'en ai deux autres bleus qui sont pour la maison. Je me suis un petit peu rapprochée. Chiffon en daim, voilà, j'ai dit quoi, peau de chamois, non c'est en daim. Microfibre, 49 centimes. Est-ce que vous êtes comme moi? J'ai, sans rire, trop, beaucoup trop, une vingtaine de verres. Coca-Cola, j'en ai marre, Eric il les garde, mais j'en peux plus de ces verres, en plus on les utilise pas. Et je sais pas, ils sont trop grands et voilà, j'ai envie de changer, en garder genre 2-3. Et résultat, des verres à eau, bah genre j'en ai 2. Donc, il n'y avait pas beaucoup de... Franchement, au niveau des verres à eau, il n'y avait pas beaucoup de modèles. Il y avait les verres à vin, il y avait les verres à whisky. Mais ceux, voilà, ceux que j'ai trouvés les plus sympas, écrit water dessus. Je crois qu'il y avait les mêmes avec écrit en noir. C'est un peu incurvé. Il y en a donc 3. Ouais, c'est en vert. Ces verres à eau coûtent 1,99€. S'ils sont sympas, évidemment, je reprendrai. Ensuite, alors on passe vraiment d'un article à l'autre. J'ai trouvé ces pinces. Donc c'était dans loisir. Attention, voilà, loisir créatif.
Moi, j'ai une toute autre utilité, c'est-à-dire c'est pour quand tu as tes paquets de chips, ce genre de choses, pour éviter que ça sèche, hop, je les mets dessus. Je les mets dans le placard ou même je les mets dans le frigo éventuellement. Ils sont noirs et ils sont dorés. Mais ça peut également m'être utile en papeterie. Je t'entends, t'essayes de me parler. T'es dans le... Oui. Bah, tu peux, hein. Tu quoi, là? Bah, je tourne, mais pourquoi? Clip en métal, 8 pièces, 99 centimes. Et ça, je vous conseille, c'est très pratique. On n'y pense pas, mais pour les sachets, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Une brosse. Je vous explique pourquoi. Parce que ma chambre est en haut, là où j'ai également un miroir et où je me broche, je fais une petite coiffure. Mais là, dans cette pièce en bas où je bosse beaucoup, où il y a ma coiffeuse, c'est compliqué, je n'ai pas de brosse. Donc je fais toujours des va-et-vient. Je me suis dit, écoute, prends une deuxième brosse, ça sera beaucoup plus simple. Tu la mets dans ton petit tiroir. Toute simple. Brosse à cheveux massante. Ah, j'avais pas vu. Massante en bois. 98 centimes. J'ai vraiment pris des choses qui vont m'être utiles. Ceci. Alors, on n'est pas du tout dans un petit objet papeterie mignon. J'aurais bien aimé, mais j'étais allée au plus efficace. Il s'agit d'un note bloc à écrire, pardon. En ce moment, je fais beaucoup, beaucoup. J'ai besoin de choses, d'écrire vite, vite, vite. Dans l'instant, quand je suis au téléphone, écrire les trucs les plus rapides. Donc je me suis dit, bon, je prends un truc hyper basique. Mais c'est très bien parce que, regardez, c'est ligné. Il y en avait également en format beaucoup plus grand, mais là, ce n'est pas la peine. Bloc-notes, 69 centimes. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. J'ai repris. Celui-ci est vraiment joli. Ah non, il est un peu gringos. Leur savon. Celui-ci, Château Beau Savon. Un modèle très élégant, à l'intérieur c'est très subtil, c'est pas entêtant, c'est pour les mains, tous les jours. Savon de France, ils ont vraiment des produits sympas, hein. Une fois que tu as trouvé, il faut y retourner. C'est soit celui-là, soit l'autre qui est transparent, un peu orangé, à la fleur d'oranger justement que j'adore, mais celui-ci va être à l'étage. 1,39€ le savon de 500 ml. Ensuite, j'ai pris ceci, il s'agit de faux... Attendez, hop. Il s'agit de faux cuir. J'ai mis beaucoup de motifs. C'est assez épais. Me demandez pas pour quelle utilisation, je ne sais pas encore. Hop. Mais ça peut être très sympa. Et j'ai pris également celui-ci, rose tendre. Je trouvais que les deux ensemble, c'était très joli. Voilà, que vous puissiez voir encore un peu de l'épaisseur de la matière. Le rouleau 6 mini-cuir, c'est 30 par 42 cm, coûte 79 euros. J'ai vu également autre chose, vous verrez ça dans le vlog de demain que j'ai vlogué. J'hésite vraiment à le prendre, il coûte 27 euros, il est tellement joli, mais il faut que je prenne des mesures avant, ouais, c'est un petit meuble. Si vous voulez voir, si vous êtes curieux, ce sera dans le vlog de demain. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve prochainement donc pour le vlog et je referai de temps en temps, quand vraiment j'ai besoin de chaucher action, un petit haul et il faut qu'il y ait vraiment de quoi en fait. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Salut !